Merci Roland pour les 600 étoiles, mon bébé. Aujourd'hui, l'Andrea, tu es là. Hein? T'as pas mis Boukes. Elle a fait deux directs sur moi. Trois. Elle a fait un sur son autre compte, l'autre sur son autre compte. La Balpia aussi a fait un direct. C'est-à-dire que les deux contre moi seul. Mais elle transpire encore. Vous êtes deux contre moi seul, elle transpire encore. Bonsoir, bonsoir mes bébés. J'espère que vous allez bien. Nous, là, le direct qu'on a fait aujourd'hui, là, on était en train de décortiquer une vidéo. Et puis, vous savez que décortication d'une vidéo, là, ça prend beaucoup de temps. Au catalogue. Et deux directs que j'ai. Vous savez que les catalogues, toi, depuis les déchets, tu es pas, tu es où? Hein? Bonne arrivée. Donc, je disais, merci pour les 75 étoiles. Ma décortication d'une vidéo, ça prend le temps. Parce que je voulais, elle a fait, sa vidéo fait 1h30 qu'elle avait fait avant-hier. Donc, le temps de décortiquer la vidéo, c'est ce qui m'a pris le temps. Hein. Voilà, dans la décortication d'une vidéo, là, on a déjà décortiqué la vidéo, on va récupérer maintenant le pot. On va récupérer les ingrédients. Et puis, on fait ça propre dans la paix du Seigneur. Comme il sait si bien le faire, vous connaissez. J'espère que vous allez bien. Je vous resalue. Bonsoir à vous. Profitez pour dire merci à votre catalogue pendant qu'elle est là. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yerogan, chinoise de DJ Arafat. La reine Poutine de la toile. Oui. Désormais, appelez-moi Aya Mendoza. C'est de ça qu'il s'agit. Celle-là même qui fait trembler les vieilles connasses. Oui. Celle-là même qui fait trembler les lézards et les valpierres. Celle-là même qui fait trembler la famille lézard. Oui. Je suis seule. Je suis quelle. Et puis elle tremble. Et puis elle s'invente. Et puis elle raconte tout et n'importe quoi. On va aller tout doucement partager juste le direct. Partagez le direct, mettez les cœurs. On va aller doucement dans la paix du Seigneur. Alors, j'espère que tout le monde est connecté. J'espère que vous commencez à partager. Donnez-moi mes 2000 personnes en ligne et mes 5000 partages dans la paix du Seigneur. Parce qu'on fait ça propre. Dans la paix du Seigneur. Je vous avais dit quoi ici? Que c'est que Léza, c'est une menteuse. Guénon est démon. Il a dit que Guénon est démon, c'est une grande menteuse. Elle est venue nous s'asseoir pour dire que elle allait porter plainte son avocat, son manguier. Pour finir, elle est venue s'asseoir le soir encore pour dire que le chef à pipi leur a donné la chance. Que le chef, elle attend d'abord que j'ai un procès. Vous me suis étonné. Que j'ai un procès ce mois-ci. J'attends, hein. Encore, je vais mettre les billets, les mettre bim. Parce que la date du procès, c'est comme ça. J'espère qu'elles vont sortir le procès réellement. Parce que je ne suis pas informée. Donc, ça, c'est encore un autre mensonge. Vous savez pourquoi c'est sorti faire le direct là? Je suis trop mince. Il y a moi là. Je vous jure que si elle poursuivait mes études là, l'heure là, il n'était même pas sur Facebook en train de discuter avec rien. Il était juriste, mais avocat quelque part là-bas. Mais j'étais, je dirais quoi? Parce que mon esprit est trop ouvert. C'est-à-dire que je suis plus rapide que ça. Ça ne connaît pas. Vous comprenez? Depuis combien de jours elle ouvre sa bouche? Donc, comme on est en procès, ils ne parlent pas des gens. Les gens avec qui on est en procès, ils ne parlent pas d'eux parce qu'ils ne sont pas importants. On est en procès, donc je ne parle pas d'eux. On est en procès parce que je suis allée porter plainte. J'attends la plainte. On est assis par terre. Voilà, je pense qu'on a terminé tes 1000 euros parce qu'il n'y a aucun procès. Il y a dit ça. Maintenant, si tu me dis que ma petite soeur prend, je prends dans la paix du Seigneur. Parce que tu as emmené au cas où le lézard, la menteuse de Facebook, partait porter plainte. Il n'y a aucun. Il n'y a pas. C'est une menteuse. Voilà. Parce que tu portes plainte contre quelqu'un, tu ne vas pas venir t'asseoir pour faire ce qu'elle est en train de rêver là. Tout ce qu'elle a venu s'asseoir pour raconter là. Hein? Vous avez vu, non? Pour finir, elle a accepté le tchèp à pipi. Pour finir là, elle a accepté. Oui. Le tchèp à pipi qu'elle a venu s'asseoir, elle a mis pain sur elle comme ça, mes enfants. Association. SOS. Elle dit le tchèp à pipi leur a porté chance. Que le tchèp à pipi là, quand ils ont mangé, ils ont eu chance. Le tchèp à pipi qui a failli tuer ses enfants d'après vous, qui a mis tout Facebook en émotion, qui a mis tout Facebook en transe, qui a mis les mères en transe parce qu'elle est venue à la victimisation. Elle a mis pain sur elle. Mes enfants sont malades. Mes enfants ont 5 docteurs. Mes enfants sont nés prématurés. Elle a pris ses enfants pour mettre sur Facebook là. Aujourd'hui, elle a venue s'arrêter. Le même tchèp qui a failli tuer ses enfants d'après elle. Le tchèp aujourd'hui a été un tchèp de bénédiction. A été un chef qui les a donné papier. Le chef n'avait plus tué ses enfants. Hein?
Le chef là n'est plus un chef qui a mis ses enfants en transe. Le chef là n'est plus un chef où docteur doit venir, où avocat doit venir, où mendier doit venir. Ça y est qui fait ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a dit, moi, là, regardez, vous allez me laisser. Yeah. C'est moi qui fais ça, ça ne chauffe pas. C'est moi qui fais déconstruire le mensonge. Et puis le mensonge, lui-même, va venir s'arrêter, non? Et puis il va se ridiculiser comment pour vous donner. Et puis vous allez assister au ridicule du mensonge. Mm-hmm. Donc toutes les femmes qui ont été en détresse, toutes les femmes qui ont eu le cœur maître, oh, les pauvres enfants, comment il a pu pisser dans un tchèp? Comment il a pu faire ça? Aujourd'hui, on dit le tchèp, le même tchèp là. C'est un tchèp béni. C'est un tchèp qui a la vraie chance. Voilà, le tchèp qui est en train de pleurer ses enfants. Les enfants. Assistant social. Aujourd'hui, elle vient s'asseoir le soir là. Pour dire que le chef les a donné bénédiction. Le chef les a donné papier. Ça, il y a qui fait ça. Je suis 1m74, femme scorpion. Ça chauffe pas. Et je n'ai dans la tête, c'est beaucoup. Oui, c'est amour pour mon prochain qui fait que souvent là, je dépose mon intelligence de côté. Et puis, je mets amour devant. Sinon là, si je parle pas quelqu'un qui veut discuter avec moi ici sur Facebook, ça chauffe pas. Excusez-moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire débat avec moi. Mais dans le débat, il est déconstruit. Il y a plus de 3 heures. J'ai fait un direct de 2 heures, un direct de 1 heure. Pour m'asseoir. Pour déconstruire sa vidéo. Pendant qu'elle était en direct, même là, la Valpierre s'est mise en direct. Pendant qu'elle était en direct, tellement elle les a mis, bim! La Valpierre était obligée de sortir. Après, le lézard était obligé de sortir. C'est moi qui fais ça. Celles qui se disent milliardaires, elle les met à nu. En fait, moi, je n'ai même pas besoin d'emmener pour eux parce qu'elle-même là, elle se dénude devant vous. Je n'ai même pas besoin de trop parler parce qu'elle-même là, elle déconstruit leurs mensonges devant vous. Vous êtes intelligent, vous suivez un peu. Vous avez vu un peu comment il fait sa propre. Oui, dans elle-même les vidéos, il les a grillées, les graisses. Et puis elle est venue s'asseoir pour dire maintenant qu'elle attend, elle ne peut plus plaindre, elle va attendre que d'après elle, j'ai un procès. Ça, c'est un autre mensonge qu'elle vous donne, mais bref, ce n'est pas important. Je vais pas, je vais prendre pas à part. Dans ton direct, tu nous as montré un papier. Le papier que tu nous as montré que c'était ta carte de 10 ans. Ça là, tout le monde peut faire ça sur internet. Hein. Mais c'est parce que je n'aime pas faire le faux. Sinon, je peux aller sur internet tout de suite. J'appelle. Je peux aller sur internet. Mettre ma photo sur une carte. Montre-moi une carte d'identité. Montre-moi ta carte de 10 ans là. Comme tu veux montrer. Moi, j'ai rien à te montrer. Parce que tu sais, toi qui connais ma vie mieux que moi-même. Donc, c'est à toi de savoir ce que ma vie est. Mais vu que toi, tu veux me prouver ta vie là. Va, tu me montres la carte. Parce que c'est ce que tu as montré là. Toi, ta pièce en tête, c'est 6 papiers. Quoi. Toi, en France, ici, on t'a donné 10 ans, t'es promené un papier. C'est même pas récépissé. Ça dit que tu as la carte, mais c'est 6 papiers. Toi, t'es promené un carte dans tes 6 papiers. Tu es malade. Si pas les gens pour les guides, ils disent menteuse. Sors-moi la carte comme ça. La vraie carte de 10 ans là. Si tu veux, tu barres à côté. Tu peux même mettre sur une table. Barrer, puis sortir la carte. Nous montrer juste 10 ans. Idiote. Ton faux que tu fais là, ça c'est une preuve encore pour moi. Faut regarder son montre. C'est pas ce qu'il t'a montré. Ça, c'est pas important. Encore, tu es en France. Tu as fait reconnaître tes enfants. C'est normal. Si tu as les papiers aujourd'hui, c'est pas étonnant. Je pensais que tu allais sortir pour me montrer les papiers de tes enfants. Tes deux enfants clandestins qui sont dans ta maison qui n'ont pas papier là. C'est d'eux que je parle en fait. C'est eux qui sont ma. C'est eux et moi, on est dans la même situation. Je parle pas de toi. Tu voyages. Donc, je peux même pas discuter que tu n'as pas les papiers en fait. Tu vois, seulement que ce que tu as dans la main, là, c'est un tout fabriqué sur internet. Les 10 ans, je ne pense pas que tu les as. Voilà. Maintenant, je dis, tu as deux clandestins qui sont dans ta maison qui n'ont pas papier. Que tu as fait venir de façon clandestine. Oui, tes deux enfants qui te servent de boy dans ta maison, là, qui n'ont pas papier, qui ne peuvent pas bouger de la France, là. C'est leur papier, on voulait voir le soir, là. C'est là que tu dois fermer ma bouche, tu dois sortir le titre de séjour de tes enfants, barrer leur nom. Nous montrer leur titre de séjour, mais tu peux me montrer tes titres de séjour. Tu vas montrer un papier, mais même si c'est pas ça même là, on sait que tu voyages. On sait que tu es résidence française, donc tu es belle comment? Je n'ai jamais discuté ici que tu n'es pas résidence française. Française, je suis folle. Je dis ici que tu as payé les papiers, tu as les papiers grâce à tes enfants qui sont jumelles. Donc, je ne discute pas de ça avec toi. Je dis que ton entreprise est radiée. Pourquoi tu ne sens pas le cabis de ton entreprise? Parce que ton entreprise est radiée. Et j'en ai la preuve. Je peux prouver ici. Quand tu as commencé, j'ai vu que tu as mis un truc de moi. On va aller tout doucement.
Tu sais, moi, il était rien de... Tu me fais trop rire, mais en fait, tu es tellement une plaisantine. Tu es tellement une plaisantine. On va aller doucement. Ça, c'est doucement, hein. Te voici ici. Entreprise radiée. C'est écrit noir sur blanc. Tout est là. Prends ça, c'est sur Internet. Ça, là, il y a le droit de montrer. C'est sur Internet. Je ne sais pas les prendre ça, mais c'est sur Google. Tu tapes sur Google, tout le monde a possibilité de faire sortir ça là. Voilà, il y a possibilité de montrer ça dans mon direct. Parce qu'il est pris sur Google. Tout ce qui est sur Google, on peut prendre. Ton entreprise est radiée. Tu as deux clandestins qui sont dans ta maison qui n'ont pas papier. Tes deux enfants, ils n'ont pas papier. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas, tu voyages pour les laisser. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne discute pas de tes papiers. Tu vois, sois un peu intelligente parce que tu es beaucoup bête. On va aller tout doucement. Tu parles de mes parents, si ça c'est du réchauffé, tu amènes ta soie, non, ta mère est décédée. Oui, la mort c'est fait pour tout le monde, ma chérie. Ça ne me fait ni chaud ni froid parce que tu vas passer par la mort, tes parents vont passer par la mort. Personne, la mort c'est un examen que personne ne va rater. Ça veut dire que tu peux tout rater sur la terre, mais la mort tu ne rateras jamais. Et tu ne sais pas quand ça va t'appeler. Parce que tu parles de mes parents, moi Michael Jackson même est dans la tombe. Voilà, Rafat aujourd'hui il est dans la tombe. Tu vois, Désir Champion perd à son âme. Tout ce que je cite perd à leur âme, ils sont dans la tombe. Donc moi, là, c'est pas moi qui fabrique la mort, en fait. Je ne savais pas comment on crée l'homme. C'est Dieu qui a créé ma mère qui l'a repris. Tu comprends bien le truc. Donc, il n'y a pas de tout qui choque. Ta mère est décédée, elle est dans la tombe. Mais oui, c'est ce qui est normal. On est né, on va mourir. Donc, tu n'as rien dit. C'est comme si tu faisais du coq à l'âne, en fait. En fait, c'est les mêmes conneries des autres que tu répètes. Parce que tu n'es pas assez intelligente. Tu vois? Tu n'es pas assez intelligente. Dieu a créé ma mère, il a répondu ma mère, ouais, le problème, je n'ai rien à lui reprocher, j'ai juste perdu ma mère, chose que j'ai le droit d'assumer tout le reste de ma vie. Donc, il n'y a pas de souci que tu avais ta soeur pour dire que c'est pas ta mère, c'est ta mère. Oui, ta mère est pute, ta mère est ceci, d'accord. Mais moi, ma mère est pute, elle a réuni ses enfants. Mais toi, ta mère qui n'est pas pute, qui est en vie, moi, ma mère est décédée. Donc, si j'ai un peu failli à ma vie, si je suis un peu partie à gauche, à droite, c'est compréhensible parce que ma mère ne vit plus. Tu vois, la mère, il n'y a pas quelqu'un qui peut veiller sur une éducation que la mère, en fait, tu vois. Moi, ma mère ne vit plus, donc, normal, elle est décédée, j'étais toute petite. Donc, je n'ai pas eu quelqu'un par la suite pour me suivre comme ma propre mère. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'aimer comme ta propre maman, tu vois ce que tu as dit? Voilà, donc, j'ai perdu ma mère, même si je suis partie un peu à gauche, à droite, tu vois, c'est parce que j'ai perdu ma mère. Mais toi, ta mère, elle en vit. Tu as ta mère qui en vit. Et tu te sentais obligée d'aller te marier avec quelqu'un. D'après toi, tu es marié. À savoir si tu es marié, parce que ça, c'est pas vérifié. Bon, on va dans tes dits. Que je vais aller bien. J'aime bien aller dans tes dits, tu vois. Tu t'es marié avec quelqu'un qui a passé sa vie à te maltraiter. Au point où, quand on se marie avec quelqu'un, c'est pour le meilleur, pour le pire. Un homme avec qui tu as fait des enfants. Tu as des problèmes, la police arrive chez toi, il te laisse et puis il s'en va. C'est tellement tu es maudite, tellement tu es dégoûtante, tellement tu es barbier. La police arrive chez toi à la maison. Ça veut dire que la gendarmerie arrive parce que tu devais une dame dans tes dits. Et puis celui qui est censé te protéger en tant que l'homme, celui qui est l'homme de la maison, qui t'a fait des enfants, il t'a laissé avec la gendarmerie et puis il est parti. Moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire ta mère, tu n'as même pas eu le cran même d'appeler ta maman. De nos jours, là, si tu es dans problème, il y a police tout de suite. La première personne que tu appelles, c'est tes parents. Maman, je suis dans problème. Mais dans tes explications, il n'y a même pas une explication où tu as dit ta mère est venue. Parce que ta mère, elle est irresponsable. C'est une mère qui t'a abandonné. C'est pour ça que tu la détestes. C'est pour ça que tu la méprises. C'est pour ça que tu l'as bu comme une boniche lobby. Tu l'as bu comme un chien lobby. Oui, ta mère ressemble à un chien lobby. Elle a des vêtements des chiens lobby là. Les chiens lobby qui accompagnent les lobbies au champ. Ta mère ressemble. Parce que c'est une mère irresponsable. C'est une mère qui n'a pas veillé sur vous. C'est une mère qui vous a laissé voler votre jeunesse. C'est une mère qui a fait qu'ils ont brigandé votre virginité. C'est une mère qui n'a pas veillé à votre éducation. Ta mère est en vie, tu n'as pas suivi toutes tes études. Ni toi, ni ta soeur. Vous êtes resté, ton frère est resté voleur prisonnier. Toi, tu es resté en train de te pavaner de pin en pin. Faire des enfants à gauche, à droite. Pendant que ta mère est en vie. Pendant que ta mère pouvait se battre pour ton éducation. Mais ta mère est en vie. Et tu allais te marier avec un homme qui t'a jamais aimé. Qui t'a méprisé. Qui t'a traité comme de la merde. Même pendant que la police est là, il te laisse comme une chienne. Comme une désespérée. Comme une personne qui n'a pas de parents.
Et puis, pense plus que c'est pas. C'est-à-dire que même ta mère en vie n'avait pas de considération de ta maman. Au de nos jours, quand un homme va te marier chez tes parents, c'est oui parce qu'il t'a marié sur la route. Il n'est pas allé faire coco chez tes parents. Parce qu'un homme qui va faire coco chez tes parents ne peut jamais te laisser pendant qu'il y a la police. Mais oui, il t'a ramassé dans la souffrance. Il t'a ramassé en bordure de route. Il t'a ramassé en bordure de route. Donc, il n'a rien à foutre de si on te met en prison. Il n'en a rien à foutre. Il te laissait dans la faim. Et puis, tu prenais ton propre argent pour aller piler foutu. C'est pour ça que tes bras là sont musclés comme ça. Hey, ma chérie, je n'ai pas eu cette vie là. Malheureusement, j'ai perdu ma mère. Si ma mère vivait là, je n'allais pas vivre cette misère là. Parce que ta mère ne peut pas être en vie. Et puis, tu vas vivre cette souffrance que tu nous expliques en longueur de journée sur Internet. Adjara Toutou et ta mère, quoi, imbécile, idiote. Sale chienne, quand elle parlait de ma mère là-bas, tu étais où? Quoi, il arrête de parler de sa mère, imbécile, fils de pute. Fille de pute. Quand elle est assise en train de parler de ma mère, tu étais où? Tu penses que pour moi, reste à l'étranger? Il a fait sa propre pour lui donner. Tu comprends? Voilà. Je n'ai pas dérangé quelqu'un quand elle parlait de ma mère. Je ne vous ai pas vu écrit là-bas pour lui dire non. Ne parle pas de sa mère, elle est décédée. Quand elle était en train d'insulter mon papa là, je ne vous ai pas. Donc, je ne veux pas vous voir écrit, sinon je vous bloque. Si tu as de mon abonné, mais te bloque. Faut pas que quelqu'un m'appelle, faut pas que quelqu'un m'écrit. Aya ne parle pas de sa pute de mère qui est irresponsable. Ne me parlez pas de ça. Parce qu'elle a pris le plaisir 1h30 à parler de ma mère qui est dans la tombe. 1h30 à parler de mon père. Et il n'y a personne parmi vous qui est parti écrire dans son direct pour lui dire non. Parle d'Aya, laisse ses parents. Donc vous me laissez m'exprimer. Votre donneur de conseils de Facebook, la prenez, c'est plus fourrer ça dans votre cul. Le jour où vous avez le paradis, là, ne me donnez pas aussi. Je ne vous ai pas appelé ici. Hein. Voilà. Donc, hors de mon direct avec vos conseils à la con. Moi, il rend le mal par le mal. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Parce que depuis, il fait du bien. Là. Il n'a jamais eu gain de cause. Donc, il est maintenant là. Il est si mauvaise. Si tu ne veux pas, tu sors de mon direct. Point. Donc, je disais, si ma mère, elle était en vie, parce que je l'ai perdue jeune, petite, je dirais même pas jeune parce que je ne connaissais pas garçon. Tu n'as même pas 18 ans quand ma maman est décédée. Et pour ta gouverne, ma mère a été enterrée dignement. Malheureusement, heureusement pour moi, ma mère, elle a un village. Tu vois? Chose que ta mère n'a pas. Mais tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne sais même pas de quel tout le monde. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas le nom de famille que vous avez là. On ne connaît pas ça. On ne sait même pas d'où vous venez. Vous êtes perdu. Vous ne savez même pas d'où vous venez parce que vous n'avez pas de village. Moi, ma mère, elle a été enterrée dans son village à Tiemleko. Auprès de sa maman. À son âme. Nous, dans notre village, là, on a caveau de famille. Et c'est là-bas que ma mère a été enterrée. Quand j'ai grandi, mes soeurs et moi, on a refait la tombe de ma mère avant que je n'arrive en Europe. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est même pas important de te le dire, mais pour te dire que hein, ma mère, elle est morte dignement. Et puis, elle a été enterrée dignement. Parce que, heureusement pour moi, mes grandes soeurs, les plus grandes, elles ont fait l'effort de pouvoir enterrer notre maman. Et puis, on a grandi, on a fait l'effort de rechanger la tombe dans la paix du Seigneur. Et ces petits détails-là même, c'est pas important parce que tu es très stupide. Donc, c'est même pas important de te le donner, de te le dire en fait. Tu vois. Donc, moi, j'ai perdu ma maman. Donc, c'est normal, tu vois. Je grandis sans mère. Tu vois, je grandis dans des conditions où ma mère n'est pas là. Tu vois, je grandis avec les soeurs de ma maman. Donc, imagine, c'est pas la même chose. On connaît un peu l'Afrique. Donc, si j'ai failli ou bien j'ai raté un peu sur le chemin de ma route et tout, ma mère est décédée. Voilà, c'est parce que je suis intelligente, même que je suis arrivée là où je suis. Parce que je suis une personne forte. Mais toi, ta mère, elle en vit. Ta mère, elle en vit. Quand elle a fini de vous pondre comme une chienne errante. Quand vous a pondu sur la route du champ comme des chiens errants, vous avez fini quoi? Vous n'êtes pas allé à l'école. Parmi vous, il n'y a aucun qui a un diplôme. Ni toi, ni ton frère, ni tes soeurs. Votre seul diplôme que vous avez, c'est devenu sur Facebook. Et puis, vous imposer sur Facebook. Parce que oui, c'est Facebook qui a pu vous accepter. Vous n'êtes pas diplômé quelque part. À part vous promener pour vous jouer les pasteurs pour escroquer au jour d'aujourd'hui les Africains étant stupides qui ne comprennent pas qu'eux-mêmes ils doivent avoir la foi que suivre un prisonnier
En fait, c'est de ça qu'il est question. Tu vois ce que je te dis? Voilà. Donc, tu as raté tout dans ta vie. Tu as été vendeuse de charbon pendant que ta mère était en vie. Tu as été vendeuse de galettes pendant que ta mère était en vie. Tu t'es mariée avec un gars par pitié parce que tu avais faim. La faim t'a envoyé dans un mariage désespéré. La faim t'a emmené. C'est-à-dire que tu n'as pas connu de jeunesse. C'est pour ça que tu es constipé. Et puis, depuis que tu as connu Facebook, la richesse est dans ta bouche. Quand on te dit bonjour, je suis riche. Bonsoir, je suis riche. Parce que oui, tu es surprise de cette vie-là. Parce que pour toi, c'est une vie de tellement de luxe. Pourtant, nous, on ne voit même pas ça, une vie de luxe. Tu vois ce que je te dis? Donc, ta mère étant vivante, ton père étant vivant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Ta mère, là, qu'est-ce qu'elle a fait pour ta vie pour que tu te retrouves dans cette misère? A toujours venu, ça vient funérailles sur Facebook. Elle est lampe de crocodile. Elle t'a gaillé bouche de capot de voiture. Toujours venu pleurer sur Facebook, nous expliquer ta triste vie. Mais ta mère était en ville, elle a fait quoi pour ton éducation? Parce que tu n'as pas d'éducation. Elle n'a pas eu le temps de t'éduquer. Tu vois, tu as grandi dans pine de con. Donc c'est pine de con seulement, tu sais, dit dans ta bève. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as 5 enfants. Mais tu continues dans la grosse. C'est-à-dire que ton frère, soi-disant pasteur, il continue d'insulter le vagin des femmes. Pourtant, il est censé éduquer. Il est censé être moins vulgaire. Mais il n'y a pas un pour attraper l'autre. De la tête aux pieds, toute votre famille, vous êtes vulgaire. C'est ça. Moi, je suis la seule de ma famille qui est sur Internet. Je suis la seule de ma famille qui est rentrée dans un game à insulter. Les injures, on n'a pas appris ça. On m'a appris la loyauté. On m'a appris à aimer. On m'a appris à me battre. Et c'est ce que j'ai suivi sur mon chemin jusqu'à aujourd'hui. C'est sur Facebook que je suis devenue une autre personne. Parce que oui, Facebook aussi transforme les gens. D'accord? Mais toi, ta vulgarité, là, c'est pas sur Facebook. Parce qu'on peut dire ça. Mais toute ta famille, c'est-à-dire que tous les enfants de ta mère, tous les enfants que ta mère a chié, parce que pour vous, on ne vous a pas accouché. Tous les enfants que ta mère a chié, vous tous, vous êtes vulgaires de la tête aux pieds. Vous tous êtes dévergondés. Vous avez raté vos éducations. Vous n'avez pas d'éducation. Et puis votre vie est pitoyable. Grand frère prisonnier, voleur, frappeur de femmes. Petite soeur, dans un foyer compliqué où on la maltraitait. Aujourd'hui, un con profané, un con sentant. Oui, et l'autre grande soeur aussi, très bête, stupide. Aux dents cassées, cassées. Menteuse aussi, à une forme de kabakourou. C'est-à-dire que c'est votre parcours, ça. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas, même si on veut faire une biographie sur vous, il n'y a rien à dire parce que vous êtes juste dégueulasse, en fait, sur la toile. Est-ce que ce que vous avez servi d'héritage, c'est de vous mettre sur Facebook et puis aboyer. Et puis insulter. Et puis c'est-à-dire qu'il n'y a rien à part taper dans tes jambes, faire sortir la vapeur puanteur qu'il y a dans ton nier, là. C'est tout. Faut pas te comparer à moi. Parce que moi, mon papa, il est gêné même que je sois sur Facebook quand on me dit des gros mots. Il me dit, je ne t'ai pas, ça dit que je suis étonnée. Parce que je ne suis pas restée longtemps avec toi. Mais quand on s'est rapproché, parce que évidemment, ça existe. Voilà. Et mon histoire avec mon père, je l'ai expliqué. Ce n'est pas une histoire qui fait pitié, en fait. Ce n'est pas une histoire qui fait pitié. C'est une histoire qui peut arriver dans une famille. Tu vois ce que je te dis? Mais toi, ton père, qu'est-ce qu'il fait? Ton père, qu'est-ce qu'il a construit au pays? Tu parles de mon père. Non, sérieux. Tu parles de mon père. Mais en parlant de mon père, parle de ton père d'abord. Il a construit quoi? Ton père a réalisé quoi? Il a quoi au pays? Il est qui? Qui le connaît? Ta mère même, c'est une vendeur de claclo. Ton père, c'est un vendeur de balais. Oui. Le seul titre concert de ton père, c'est que c'est balade et testicule sur le front. Le seul titre concert de ta mère, c'est que c'est une mère irresponsable. Parce que voilà, si ta mère était responsable, tu n'allais jamais oser t'asseoir sur Facebook à la présence de ta mère et parler du sexe. Tu n'allais jamais le faire. Mais tu nous as montré que ta mère même, c'est une babier. Tu nous as montré que cette femme-là même là, c'est une maudite. C'est une femme même qui s'asseyait à jamais bracodie. C'est un tout bordel, c'est une achao. Donc c'est héréditaire. C'est héréditaire, comme on le dit. Et le mensonge coule dans votre veine. Vous savez que mentir. Tu vois? Donc, tout ce que tu vas dire, sans papier et tout, c'est du réchauffé, chérie. Ton père n'est pas ton père, c'est du réchauffé.
C'est du réchauffé. Ta mère est dans la tombe, mais ma mère est dans la tombe. Hein? Est-ce que tu as dessiné quelque chose? Ta mère est dans la tombe. Ma mère est dans la tombe. Ta mère aussi sera dans la tombe. Hein? Donc, il n'y a pas de... Tu n'as rien dit, en fait. Tu n'as pas... Il n'y a rien de waouh. En fait, c'est, tu es juste stupide et juste conne. Voilà. Ça, c'est du côté de tes parents que je ne vais même pas trop passer dans la nausée. Je reviens sur toi. Parce que moi, mon... Enfin, je veux t'emmener, hein, à comprendre la vie. Tu comprends, non? Voilà. Lézard. Essaye de me dire, tu dis que tu n'as jamais été prostituée. Mais le parcours, ton parcours là, il y a quoi qui impacte dans ton parcours? Quand toi-même tu regardes ton parcours là, qu'est-ce qui impacte? Qu'est-ce qui impacte? Ça dit, tu penses inspirer qui? Personne. Franchement, tu te blagues, tu n'inspires personne en fait. Tu n'inspires personne. Encore, tu montres une photo de moi où j'avais mis un jean taille haute. Le jean que j'ai mis là, j'avais mis une gaine en combine. Tu es stupide, donc tu ne sais pas. Voilà. J'avais mis une gaine en combine, une gaine. Que maman, bah, les, j'ai même offert, c'est petit, la gaine même est très petite, ça fait du, ça taille du S. Ça taille, pardon, du M. Pourtant, moi, normalement, je devais prendre du L. Parce que j'avais pris du poids. Donc, j'ai mis une gaine en combine. Mais ça encore, on va laisser. Tu as parlé de ma forme. En fait, tu sais, tu mens et puis tu te dédies. Dans l'un de tes directs, tu as dit que moi, j'ai emprunté un maillot de bain pour porter. C'est ce que tu as dit, hein? Que j'ai emprunté un maillot de bain de quelqu'un pour porter. Encore, tu dis que je ne me suis jamais déshabillée devant toi. Encore, tu dis que je ne me suis jamais lavée devant toi. Encore, tu dis que je mets des couches ou je ne sais pas ce que tu racontes là. Bref, ce n'est pas très important parce que c'est du people, c'est du mensonge. Et ça, c'est des choses que les gens racontent. Tu m'as vu, tu connais mon corps. Donc, je n'ai même pas besoin de me justifier sur ça. Mais quelqu'un qui porte couche, ah, porter maillot de bain comment? Moi, j'ai pas de couche. Maintenant, il y a emprunté maillot de bain pour porter à quel moment? Maillot de bain là, j'ai fait quoi avec ça? Parce que, ou bien maillot de bain là, il est porté à couche quoi? Parce qu'un maillot de bain, c'est pour aller nager. Donc, s'il doit aller nager dans l'eau là, il ne peut pas mettre couche. Donc là, tu dis quoi? C'est là. Ça veut dire que tu dis quoi juste aux gens en fait? Tu expliques quoi aux gens? Elle empruntait maillot de bain d'une blogueuse d'ailleurs qu'on n'a même pas la même forme. Oui, elle mettait pommade, je ne sais pas tout ce que tu racontais. Moi, tu peux même pas forme. Il n'y a même pas me comparer concernant forme avec toi. On va aller doucement. Déjà. On va aller doucement de là à là. Dentition. Ça, c'est la gueule de ta sœur. Attends. Faut que je recule. Celle qui est mariée à juif, qui a toute sa vie au complet. C'est dans sa bouche. On irait maison d'abeilles. Doucement. On va aller encore. Elle veut parler de moi. Céleste, elle me connaît. Bon. Ton père, lui, il transporte tes testicules sur son front. Toi, tu transportes ça dans tes aisselles. Où est-ce au niveau de là, là? Juste en bas. C'est dans les aisselles des femmes minces. Il y a testicules comme ça là. Yeah. Tu as oublié d'opérer ça quand c'est parti là. Tu as oublié de demander au gars là, au chirurgien là, de couper ces testicules qui emballent tes aisselles ici là. Yeah. Et allez. Là. Pine qui est là. Petit kiki d'enfant qui est là. Faut retourner en Tunisie là-bas, ils vont couper pour jeter. On va aller doucement encore. Tu parles de forme. Ah, et toi aussi. Mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que c'est?
Et à dos. Et à... Alors, qu'est-ce que je fais? Et à dos, on dirait la charger portail de Maca. On dirait qu'ils ont mis portail de Maca là. Sur son dos, on dirait la charger pour se promener ça. Et à forme. Non, sérieux, elle est mince. Et d'après, elle a sa forme. On est un ciseau cassé. Les gens, faut enlever le filtre. Voilà ta réalité ici. Et en bas de tes yeux, là. Hein, on dirait qu'ils ont ouvert pour mettre Bissap dedans. Yeah. Ça, c'est sans filtre. Hein. Ça, c'est la réalité qu'on a vue. Les gens, tu es mince. Ce qui est là, là, c'est quoi? Les deux... Ça, c'est quoi? Ce qui est accroché là, là, une femme mince. Toi, mais il y a un caleçon noir qui est en bas d'habit que tu as porté. C'est toi qui portes couche. Cycliste, tu parles là. C'est ça que tu as porté. C'est ça t'a donné un peu de fesses. C'est toi qui portes cycliste. Voilà la côte de cycliste là en haut, là-bas. Et puis, voilà ton dos, c'est découpé comme ça, on dirait. Viande, ils ont déposé à l'abattoir pour couper, couper. On peut être mince pour avoir dos comme ça. Cycliste à fesses là. C'est toi-même qui portes ça. Pas pour ton cas pour une généralité, hein. Voilà, vas-y. C'est ça qui est en bas de toi là. Voilà ça. Jusqu'à ta soeur. C'est sorti ta soeur à tirer ça. C'est toi qui portes ça. Hum. On va aller tout doucement. Maintenant, c'est tu allais faire là. On est, ils ont coupé bout d'oignon. Pour coller là, là. Quand tes camarades vont faire les seins là. Hein? C'est quoi ce trou là? C'est quoi ici là? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ce bout sauvage? En vrai, ils ont coupé oignon sauvage et puis ils ont collé sur le bout de tes seins. Regarde, va me refaire ça là. Imbécile! Toi tu viens t'asseoir pour parler de forme et moi. Y a tout à dire sur toi. Pardon. Et y a tout à dire sur toi. Testicules, c'est la même qui est en bas de tes aisselles là. Il faut aller enlever ça. Maintenant, quand tu as fini d'enlever testicules là, ne me porte plus les caleçons, caleçons dont tu parles. C'est toi qui portes. Maintenant, ici là, il faut aller, ils vont tailler pour enlever les glingues qui sont là. Ils n'ont qu'à tailler, tu es mince. C'est pas normal d'avoir gling ici là comme ça. Voilà, c'est nous les personnes en forme, on doit avoir ça. Maintenant, cette forme là, elle, l'épaule, on t'a mis. C'est vrai qu'ils ont déposé la marque sur ton niveau chargé. On a toi, tu as chargé la maca quand tu partais à l'émission là. Ils ont mis la maca sur ton dos. On dit qu'il faut charger. Donc voilà, maca là, tu as chargé sur ton dos. Épaule est carré comme ça. On dirait dalle de maca qui est sur ton cou. Vous n'avez pas dit, regarde ton modèle. Et en forme. Regarde-toi dans combinaison là. On dirait Awadji. Percé. On dirait avoir dit percé. Faut même pas aller sur ce terrain là, moi. Mais non, je ne vais pas appeler. Où tu veux partir, moi? Tu vas aller prendre mes photos, venir zoomer, faire les trucs là. Faut pas aller, moi, là-bas. Sinon, tu vas prendre la honte. Tu vois, non? Reste dans tes clashs. Mais si tu vas à l'ESM, tu vas regretter ta naissance sur terre. Tu vas regretter ta naissance, ta venue sur terre. Mais moi, moi, ça loue. Tu vois, il n'y a même pas allé loin, il t'a fait petit seulement. Quand tu finis de refaire tout ça, là, tu reviens vers moi. Maintenant, maintenant, les gratins en boîte de l'eau. Seigneur, la fille me fait tout rire. Ah, tu veux pas dire moi? Toi, tu es malade dans l'envers. Merci, mon cœur. Mettez l'eau. Il y a même pas de l'eau. Il n'y a plus de l'eau. Il arrive. Il n'y a plus d'eau. Attends, je viens. Beaucoup
es venu me chercher. Si tu es venu me chercher chez moi ici. Mais ça paye, tu es mon chauffeur. Ou bien. Moi, je suis une princesse. Ça paye, tu es mon chauffeur que tu as roulé ta petite voiture venue chez lui. Est-ce que tu as déjà vu patron bâti chez son employé? Hein? Tu as mon chauffeur en France ici. Oui. Quand il a dit qu'il partait plus à la télé, il a été là. C'est toi, on a délégué venir me chercher. Hein, ta vieille voiture pourrie. Hein? Tu m'as conduit. Oui. Parce que tu es mon chauffeur. Hein? Il était même pas, c'était pas confortable. Il me plaignait même. À un moment donné, même là. Je me suis arrêté. Il faut garer. Il prend, si tu, comment on appelle ça même? Itch pour partir. Il t'a laissé, puis il a pris Itch pour rentrer. Parce que tu roules très mal. Ça paye, tu es mon chauffeur. Tu avais dû me chercher. Tu allais faire tous mes courses. Il t'a fait balader bien dans tout Saint-Denis. Là. Tu m'as attendu. Le jour là, il y avait du riz haricot même. Tu as fait semblant comme tu manges. Quand tu allais garer dans. Comment on appelle ça comment on appelle le coin là? Au parking là, tu avais faim. Jam, depuis le matin, tu n'as pas mangé. Peut-être tu n'as pas mangé chez toi à la maison. Il n'y a rien dans ton frigo. À savoir si tu as un frigo même. Tu as d'abord tout riz là. Yes, y arrive, y arrive. Il a mangé, j'ai pris 2 cuillères de riz et puis je suis allé prendre mon habit dans un magasin. Donc je l'ai dit de m'attendre. Mais oui, parce que c'est mon chauffeur. C'est mon chauffeur. Moi, je l'ai déplacé. Elle est venue me chercher toutes mes affaires. Elle est restée dans la voiture, elle m'a fait toutes les courses. Ce jour-là, on est parti récupérer mes affaires, récupérer un truc chez ma camarade. Après ça, on est parti dans un magasin. Elle m'attendait. Donc ma copine, elle a envoyé du riz et je me suis servi. Dans un bol comme ça. Quand je suis descendue, elle dit, mais c'est quoi, c'est riz haricot, elle fait comme si elle ne mange pas. Elle ne veut pas manger. Donc elle dit, tu m'attends ici dans le parking. J'arrive, je vais prendre mon habit. Et je suis descendue pour aller dans le magasin. Je suis revenue. Elle a mangé tout riz. Et puis elle a versé un peu dans la voiture. Là. Et puis elle dit que quand elle tournait, elle avait senti toute sa bouche à huile dessus. Elle voit haricot là dans ses dents comme ça. Elle dit, ah, haricot là dans tes dents. Et là, j'ai goûté, c'était doux, hein, mais c'est versé. Elle dit, hein. Donc tu es quitté chez toi là-bas, tu avais faim. Tu as faim. Tu ne peux pas manger. Mon petit riz haricot, œuf, là, c'est musculaire, tous ses os dessus, comme ça. Tu es mon chauffeur. C'est pour ça que tu me conduis partout, en fait. Tu sais ça? Tu as déjà vu une patronne se déplacer, aller venir chercher son employé partout. Il faut être le chauffeur pour le faire. Oui, et on t'a donné des ordres. Mon frère t'a appelé. Parce que oui, tu es en quête de son bangala. Donc, il t'a appelé, dit, tu vas chez ma petite soeur, amène 74. Parce que là, comme je suis en train de faire des courses, il prenait ses habits dans le 19e. Et tu as couru comme ça, tu m'as stressé, man. Je suis là, je t'ai fait attendre pendant 40 minutes. Tu as attendu 40 minutes, je t'ai garé un peu vers le comment on appelle ça même? Vers comment on appelle, merde, la poste. Tu as attendu là-bas 40 minutes, je suis venue, tu es descendue, tu m'as aidé à prendre mes affaires dans le coffre. Oui, parce que je suis une princesse. On est allé chez ma copine, tu es allé donner le double de ma clé. Tu m'as attendu en bas. Tu es resté en bas m'attendre pendant 15 et 20 minutes comme ça aussi. De là, je suis allée prendre mon habit dans le magasin. Tu m'as attendu. Tu étais mon chauffeur ce jour-là. Oui, parce que moi, je suis comme ça en fait. Quand j'ai envie de faire les courses, je prends un chauffeur. Voilà, quand j'appelle juste mon frère, il me dit, t'inquiète, tu sais qu'il y a, là, il y a le lézard là, qui pense que je vais trop la marier. Elle a sa petite voiture là. Tu peux te démêler avec lui, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. Elle peut venir me chercher et tout ça. Et tu me sers de chauffeur. Tu vois ce que tu dis? Donc, tu as été mon chauffeur et tu m'as conduit à la télé-réalité. C'est de ça qu'il est question, en fait. Tu es venu me chercher chez moi comme une princesse et tu m'as ramené à la télé-réalité comme une princesse. Tu m'as repris là-bas comme une reine et tu m'as ramené comme une poutine. C'est de ça qu'il est question. Donc, viens pas te donner un nez. Quand toi-même, tu es allé la chercher, depuis quand un patron va chercher son employé. Donc, tu te rappelles que tu étais mon chauffeur. Parce qu'il faut être un chauffeur pour se déplacer comme ça pour aller dans les quartiers précaires. Parce qu'une patronne, oui, qui est riche, elle fout quoi dans les quartiers précaires? Elle est en train d'aller chez son employé dans les quartiers précaires. Non, sérieux. Toi, tu es riche. Si tu te balades dans les quartiers précaires, c'est parce que tu es mon chauffeur. Sinon, ta richesse, là, ça cherche quoi dans mon quartier précaire ici? Donc, tu comprends un peu? Voilà, donc tu me respectes. Parce que tu penses que tu es intelligente. Mais l'intelligence, c'est moi, en fait. L'idiote, la stupide, c'est toi. On va aller tout doucement parce qu'avec toi, je n'ai pas à crier et tout ça. Parce qu'en fait, je ne crie pas devant les dévergondés, surtout pas devant mon chauffeur. Non, alors non, pas devant mon chauffeur.
Non, non, alors non, je suis désolée en fait. Quelqu'un qui m'a conduit partout, qui m'a servi de faire mes courses, mais je ne vais pas prendre mon temps pour gaspiller mon énergie, pour crier. Je lui parle doucement. Voilà. Donc, je te parle doucement pour que tu puisses comprendre. Are you understand? D'accord. Je vais me gorger d'eau. Encore, tu dis que moi, je ne pourrais pas faire d'enfant parce que tu es Dieu. Parce que c'est toi qui détiens l'enfantement. Donc, tu dis que je ne pourrais pas faire enfant. Mais, là, c'est des conneries, ma chérie. Et Hans, tu as même pas quoi ça venir. Hé, hey, petite, il a te montré que tu es pépéro. Moi, c'est des macori. Il a te montré ça. Faut écrire, tu as noté. Tes dents, ta gueule, c'est dans ta bouche même, il y a de ces placentins. Faut y aller, tu vas voir. Imbécile, tu vas venir t'asseoir, oui, tu ne peux pas faire d'enfant. Je lui dis à ta grande soeur, ta soeur de même père ou je sais pas, même mère là. Celle qui te sert de boniche, la lesbienne frustrée qui est à Abidjan, qui a Gaïa tête, on dirait, punée de 4x4 là. Dis-lui de faire un enfant. Quand elle a fini de faire un enfant là, tu reviens me voir. Oui. Et si tu dis qu'elle a un enfant, il faut prouver. Depuis que tu entends parler de moi là, tu as envoyé preuve. Oui. Quand tu parles de nous, tu n'as pas de. Quand depuis que tu parles de moi, tu as envoyé preuve. Ton papa t'a fait ceci, ta maman t'a fait ceci, tu as envoyé preuve. Tu gueules dans ta bouche, non? Donc, c'est toi qui parles. Comment ça va être preuve me concernant? Depuis que tu parles de moi, que tu es là, oui, ton papa, ta maman, tu as déjà envoyé preuve. Tu divagues sur Internet, tu as déjà envoyé preuve me concernant. Tu n'as jamais envoyé preuve. Mais moi, là, quand il met là, ça te met bim. Yeah? Il te met tellement bim que vous sortez comme des magnans. Et puis, je veste comme il y a. Il vous pulvérise comme ça. Il est pas pulvérisant, hein? Comme on dit là. Vous êtes des insectes pour moi. Il y a même pisse. Ça dépend de moi. Tu comprends? Lesa, je dis, va dire à ta grande soeur qui a tête ton lien puneux de 4x4 là. Elle a fait un enfant. Quand elle a fait des fois enfant, tu reviens me voir. Tu comprends? Et puis tu détiens rien. Tu es une plaisanterie, tu es une aboie, c'est la même chose. Sans papier, rien. Ta gueule, tu as deux batraciens dans ta maison là-bas. Tu as deux clandestins dans ta maison. Quand tu vas leur donner papier et qu'ils auront un papier pour aller faire leurs vacances comme des dignes enfants des milliardaires, tu reviens me voir. Sinon, tant que tes clandestins sont sans papier dans ta maison, tu n'as rien à me dire. Tant que ta grande soeur, ton aîné, ne n'a pas encore mis un œuf, si tu dis moi, envoie ta grande soeur son enfant. Aujourd'hui, là, tu as couru pour aller chercher un papier 10 ans, il t'a demandé de m'envoyer 10 ans. Il t'a jamais demandé. Depuis, il t'a dit, ta grande soeur, c'est l'enfant, prouve, tu n'as pas prouvé. Tes enfants sont sans papier, il faut prouver, tu n'as pas prouvé. Tu sors, on ne te demande pas d'aller sortir papier, si tu es sur papier, tu t'as prendre un truc sur papier, tu dis, mon père, j'ai 10 ans, on s'en fout de 120. On est dans un débat de toi et moi. C'est toi qui veux sortir preuve. Sors les preuves. Tout ce que tu dis, si mes parents et moi, là, tu as les preuves. Tu n'as pas les preuves, en fait. Tu vois, tu n'as pas les preuves. Donc, tu racontes tout et n'importe quoi parce que tu es une menteuse. De base, tu es une menteuse. Et puis là, je ne sais pas, tu as dit le nom de quelqu'un encore que moi. Bon, ça n'a jamais existé parce que tu es comme ça. Quand tu fais le clash, tu ramènes les gens. Moi, je n'ai pas ramené cette personne parce que enfin, c'est même pas mon genre. Donc, je m'en fous en fait. Tu vois ce que tu dis? Mais je dis, moi, si ma mère vivait, je n'allais pas vivre la misère que tu vis. Oui, parce que tu es dans la misère. Essaye de te réveiller un peu. Essaye de sortir du rêve. Je me rappelle, quelqu'un t'a dit, tes deux avions, prends-toi pour t'acheter un cerveau. C'est-à-dire qu'il faut diviser l'un des avions en deux. Et puis tu t'achètes un cerveau. Parce que tu en manques de cerveau. Tu regardes dans ta tête là, il y a disparition de cerveau dans ta tête. Tu es tellement bête. Tu es tellement stupide. Il a dit, avec moi, tu ne peux rien gagner. Il te dit, parce que si ta patronne, lui, il vous a emmené à faire deux directs. Est-ce que ça chauffe? Ça ne chauffe pas. Je vous ai emmené à sortir. C'est-à-dire que tu allais te mettre dans une robe noire de funérailles. Oui, ta robe que tu as portée là, c'est ce qui va te servir
de photos. Parce que là, on va coller ta photo de ton nien qui sent. Et puis on fait t-shirt sur robe là. Ton nien pur. Les a, ton consent. Et viens nous dire pourquoi les hommes t'enceintent et puis ils sont bons. Paie ton consent. Pourquoi les hommes te mougouent et puis son vent ne reste pas? Paie ton consent. Tu sais, la meilleure vie pour une famille, c'est quoi? C'est-à-dire que tu es avec tes enfants et son et eux, leur papa. De nos jours, avant, on avait les parents un peu têtus et tout. Mais de nos jours, c'est que c'est une jeunesse. Tu ne peux pas. Au moins, tu as fait un enfant, trois enfants avec quelqu'un qui a fui. Mais les deux autres enfants que tu as eu encore là, il a fui pourquoi? Pourquoi les hommes ne restent pas? Tu dis que moi, depuis sur Facebook, c'était déjà présenté. Toi, tu m'as déjà présenté qui? Hein? Tu m'as déjà présenté qui? Le gars, tu dis, il t'a enceinté là. Il t'a sorti ta note vocale ici. Où tu étais en train de chialer derrière lui comme une merde. Tu m'as déjà vu pleurer derrière, garçon? Non, sérieux. Tu me vois, moi qui suis là, là. En train de pleurer derrière pine des garçons. Tu es tellement bête, tellement stupide. Que tellement tu en manques d'amour. Hey, il y a quoi à toi? Parce que l'amour, tu ne l'as pas connu. Moi, je l'ai connu depuis plus jeune. Tu ne connais pas l'amour. Tu as manque d'affection. Tes parents n'ont pas donné l'amour, en fait. Tu vois où on joue avec les parents et tout. Ça veut dire que moi, je suis en manque de ma mère, par contre. Je ne suis pas en manque d'amour. Je suis en manque de mère. Et c'est normal, j'ai perdu ma maman. Tu vois? Donc, en manque de mère, c'est normal. Mais je ne suis pas en manque d'amour, en fait. Je ne suis pas en manque d'amour. C'est pas quand je vois les gens, oui, ma maman, parce que oui, ma mère m'a quittée quand j'étais petite. Et ma soeur aussi. Je suis un peu en manque. J'ai mes soeurs qui sont là. Mais tu imagines, tu viens à deux et puis il y a une qui se retourne malheureusement. Tu vois ce que tu as dit? Donc, tu as ce manque-là de ta soeur et tu as le manque de ta mère. Mais toi, tu en manques de tout. Tu ne connais pas le vrai amour. Moi, le vrai amour, entre jeunes. C'est-à-dire, tu as connu ton jeune gars, tu saurais plus, vous formez un beau couple, vous sortez ensemble. Merci pour les 3000 étoiles. Oh, maman, merci beaucoup, tu es gentille. Tu vois? Tu as connu ton jeune gars, vous êtes ensemble, vous connaissez l'amour, vous vivez un peu très jeune. Moi, j'ai connu ça, toi, non. Toi, tu as connu un vieux gars qui ne t'a jamais considéré, en fait. Tu as connu un vieux gars qui t'a mougou dans tous les sens. Dans ton cul, dans ton nien, partout. Il t'a fait des enfants, il n'a pas assumé. Toi-même, il ne t'a jamais assumé au point de t'embardonner dans la main de la police. Mais quand même, un gars peut ne pas t'aimer. Mais la police ne peut pas venir, la gendarmerie ne peut pas venir derrière celle que tu appelles ta femme, la mère de tes enfants. Et puis, le gars va partir pour te laisser voir. Ça veut dire, oui, il n'a qu'à t'emmener en prison, il n'en a rien à foutre. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu de brin d'amour pour toi et tes enfants. Donc tes enfants là, ils n'ont jamais connu non l'amour de papa et maman. Ça veut dire que la mère même elle est là, la même te voit, il y a un déchet. Parce que oui, tu as un déchet. Tu vois? Donc tu es en manque de ça. Et tu recherches ça sur les réseaux sociaux. Quand tu vois les enfants des gens, les jolis enfants, ils te collent sur eux. Tu es genre mon gars. Tellement tu es en manque d'amour, tu te balades des bagues vides. Et puis tu manques que tu es marié. Tu te balades des bagues vides. Parce que l'amour d'une femme à un homme, tu ne connais pas. Et tu ne vas jamais connaître ça. Tu ne vas jamais connaître ça. Tu seras malheureuse et tu vas dormir seule en train de pleurer dans ta maison. Ils vont toujours refouler ton con parce que ça sent. Pourtant, moi, non. Moi-même, je fuis l'amour. Moi-même, là, l'amour des garçons, je pense à, je ne vais pas même. Tu vois, je connais, j'ai connu l'amour, le vrai amour. C'est-à-dire que ce moment-là, il y a eu un gars qui m'a dévié. Je suis restée avec lui, je l'ai aimé, il m'a aimé. Ça, on était jeune, on s'aimait comme ça. Mon gars, mon chéri, mon bébé, tu vois, tu connais pas ça. Toi, tu as connu un vieux qui t'a ramassé sur la route, même pas dans ta famille. Qui n'est même pas allé te doter chez tes parents. Et puis, il a fait de toi sa servante. Il a fait de toi sa boniche. Il a fait de toi sa pondeuse internationale. Et quand il a fini d'abuser de toi, il t'a laissé comme une merde. Il t'a laissé comme une vieille chaussette. C'est pour ça que tout est vieillissant sur toi. C'est pour ça que tu as la haine. C'est pour ça que tu veux forcément te mettre. En fait, tu veux te mettre en couple, lui montrer que tu peux avoir un homme. Mais il n'y a aucun homme qui te veut, en fait, wesh. Tu vois? Tu veux tellement lui montrer que tu peux avoir un homme. Donc, quand tu vois joli enfant des gens, exemple comme mon frère, tu veux te coller à lui. Tu veux verser ton nom sale de malédiction d'amour raté là sur mon frère. Ma chérie, nous on a connu l'amour, on a vécu l'amour. Que ce soit quand j'étais derrière la route, j'étais aimée.
C'est-à-dire que la personne qui était là, tellement la personne m'aimait. C'est-à-dire quand elle dit elle m'en veut, là, c'est les pleurs. Il y a des fois, garçon pleure pour moi, moi, il ne pleure pas pour garçon. Oui, et puis c'est moi, elle m'en veut. Moi, elle ne me laisse pas comme une merde. Oui, on t'a vu ici, tu es venu, tu dis que tu étais un bain. Tellement tu étais en manque d'amour. Le monsieur est marié. Il a sa femme. Tu es obligé de l'aimer lui et sa femme en même temps. C'est-à-dire que tu as décidé dans ta tête d'aimer le monsieur et puis aimer sa femme. Au point où tu emmenais sa femme à faire des courses. Tu partais faire sa course, les courses pour sa femme pouvoir baiser un peu la pine de son mari. C'est-à-dire que tu partais faire les courses pour les enfants. C'est-à-dire que tu payais la facture de la dame. Tu payais tout. Si tu payes, mais tu dis que tu l'emmenais au. Si tu emmenais ta. Non mais, sérieux, il faut déréguer pour le faire. Mais t'as un incroyable talent de manque d'amour, wesh. Mais dis donc, mais attends, je suis dans quel monde? Enfin, j'ai jamais entendu ça. C'est-à-dire qu'une meuf qui sort avec le gars de quelqu'un, c'est-à-dire que puis après, la femme du monsieur. Non mais sérieux. En fait, j'arrive même pas, j'en perds mon latin même pour te dire en fait. C'est-à-dire. Tu t'es permise, hein, tellement tu en manques d'amour, hein, tellement tu veux le petit bangala du monsieur. Tu sais que tellement tu aimes beaucoup le monsieur là. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu t'occupais de sa femme. En fait, tu entretenais sa femme. En fait, il faut être dérégué pour le faire. Il faut être vraiment désespéré. En fait, toi, si un homme doit se mettre avec toi, c'est un homme qui a perdu espoir. Un buveur de Chapalo bien bungee qui n'a plus d'espoir en fait. Qui a réfléchi jusqu'à. Il veut. C'est-à-dire, il est là, il veut se tirer une balle dans la tête. Et puis tout d'un coup, il te voit et puis tu deviens son miracle. Le désespoir fait qu'il se met à toi. Sinon, quelqu'un qui travaille, qui est conscient, ne peut pas se mettre à toi. C'est pour ça que tu te balades avec tes chiots là. C'est quand tu appelles l'enfant là. Tu te balades avec eux. Mais tu vas te balader eux dans tes aisselles partout. Parce qu'aucun homme ne veut être avec toi. Donc pour finir, tu veux tellement montrer que tu es en couple. Tu es pathétique. Tu es allé dans un magasin, tu t'as acheté une bague. Non, sérieux, tu l'as vraiment fait, hein? Non, sérieux, en fait, je suis là, j'imagine, et puis je dis, mais attends, la meuf, elle l'a vraiment fait. Enfin, la vieille, pas la meuf. La vieille, elle l'a vraiment fait. Elle s'est rendue avec ses pieds, ses deux pieds, messe de Pinocho, dans un magasin. Elle s'est pris une bague, et elle l'a mis sur son bras, et elle a placé sa caméra sur Facebook. Oui, je suis mariée avec un gars, daddy. Il vit aux États-Unis, il n'est pas ivoirien. C'est un daddy. En fait. À quel moment tu peux disjoncter comme ça en fait? À quel moment tu peux te lever, te rendre dans un magasin, acheter une bague, prendre tes doigts on dirait pas de poulet là, et tu déposes la bague dessus, toi-même tu te maries, veuillez vous prendre pour un coup, puis tu réponds oui, oui, et puis après la bague est là, et tu places ta caméra, tu dis aux gens que tu ne veux pas montrer ton mariage. Tu ne peux pas montrer que tu es marié, mais tu informes que tu es marié. En fait, tu ne comprends pas. Ça a quel sens? Tu ne veux pas montrer ton mari aux gens, mais tu informes aux gens que tu es marié. Tu viens dire sur Facebook que je suis marié. Mais tu ne veux pas nous montrer ton mari, ni ta robe de mariée. Mais qu'est-ce qui prouve? Mais au moins, tu es marié. Moi, pour moi, ta robe de mariée que tu as portée, même si tu ne montres pas le mari. On connaît des gens qui se marient, qui ne montrent pas le mari, mais qui montrent leur robe. Hein? Ou bien même le maire. C'est quel mec qui t'a marié? En fait, tu t'es levé chez toi de ton lit, tellement tu es désespéré, tellement tu n'as pas d'homme. En fait, tellement dans ta vie, tu n'as jamais connu le vrai amour et tu ne connaîtrais jamais le vrai amour. Tu t'es levé, tu t'es rendu dans un magasin, tu as discuté le prix d'une bague, tu as mis sur ton doigt et tu as mis ta sur Facebook. Je suis mariée. Et puis dans ta tête, tu es mariée, dans ta tête, tu as un homme. Dans ta tête, il y a un homme qui t'envoie à la mairie. Dans ta tête, tu es mariée avec un homme à la mairie. Sur Facebook. Et puis tu informes aux gens, mon mari, hein, c'est un Américain, on s'est marié à 4 dans ta tête. Wesh. À quelle heure, wesh? Non, mais sérieux. La meuf, attends, tu as perdu le cerveau. Tu as perdu le cerveau, wesh. Non, mais sérieux, mais attends, tu l'as fait, hein? En réalité, en vrai de vrai, tu l'as fait. En vrai de vrai, tu t'es rentré dans un magasin, tu as acheté une bague, tu l'as pointée sur tes doigts de poulet. Et tu t'es assise devant nous pour nous dire que tu es mariée. En nous inventant qu'il est américain. Ça veut dire que tu as pris le plus grand continent même. Dans ta tête, tu as choisi un pays. Tu as introduit, ça veut dire que tu as choisi un pays. Oui, tu as choisi l'Amérique. La nationalité, tu dis que ton mari est américain. Oui, il est américain. Il vit à Manhattan. Donc, il t'a marié. Tu ne veux pas le montrer. Donc, tu t'es rendu dans un hôtel. Le comble, c'est que tu t'es rendu dans un hôtel.
d'une vidéo, tu t'es rendu dans un hôtel, tu avais des faux sacs dans ta main, où tu dis que tu étais avec ton homme, tu avais la démarche, comme si on te poussait, comme si le chewing-gum qui avait collé sur le tapis, et puis tu as marché dessus, quand tu marches, puis le chewing-gum colle en bas de tes pieds, là. Oui, et puis tu marchais dans l'hôtel, ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'hôtel, hein, tu as fouillé, c'est la Valpierre qui était couchée. Donc, pour donner aux gens que tu es un homme, tu sors dans l'hôtel avec des cartons vides, des cartons en plastique, en fait. Et puis tu dis, oui, aujourd'hui, je suis avec mon homme, je suis avec mon homme. Souvent, même, tu te retrouves dans un restaurant, hein, et tu filmes juste ton plat, tu fais comme si tu parles à quelqu'un, pourtant, c'est la Valpierre qui est devant toi. Tu fais comme si tu parles. Ou bien, souvent, tu mets en direct pour dire, non, quand tu es parti à signer avec ton homme, dans ta tête, wesh, réveille-toi, en 2022. Wesh. Non, mais sérieux, on est en 2022, on est au 21e siècle. Comment tu peux t'asseoir et puis planer comme ça dans le néant? Non, mais sérieux, nous on vit. Nous on a nos réalités, on n'a rien, on est pauvre, on vit dans un quartier précaire, comme tu le dis. On n'a pas de vie en France, mais on l'assume. J'assume ce que j'ai en France ici. Oui, j'assume que je ne suis rien en fait. J'assume que d'après toi, je ne suis rien, oui. Mais toi, tu n'assumes pas ta vie en fait. C'est-à-dire, à quel coup tu arrives à Abidjan, tu vas sur le chantier des gens. Non, mais sérieux, cette meuf, elle est vraiment déréglée. Il faut vraiment organiser une veille de prière pour elle. Il faut vraiment qu'on prie pour elle. Parce que c'est impossible de vivre ça en fait. C'est-à-dire, elle n'est pas mythomane, elle est kleptomane. C'est-à-dire que pour elle, là, ça a dépassé la mythomanie. C'est-à-dire, comment tu peux te rendre sur un chantier des gens et tu filmes? Oui, le chantier de mes enfants, ici c'est leur chambre, là c'est leur salon, là c'est la cuisine, là ils vont mettre la table là. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Ta maison déjà, les gens ont construit l'argent pour construire. La maison où tu arrives, tu vas déjà planifier où tu vas mettre la table à manger, où tu vas mettre les poufs, où tu vas mettre l'oreiller, où tu vas mettre le lit. 2 ans après, tu nous montres un autre chantier. Ça veut dire, un an après, tu oublies que tu nous as montré un chantier. Un an après, tu reviens avec un autre chantier où ce n'est pas encore fini. Et tu montres encore, ici, on va placer la table à manger. Là, la fenêtre va sortir par là. Et là, la cuisine va sortir par là. On va mettre la télé ici. On va mettre le climatiseur là. Et puis là, c'est le dressing des enfants. À quel moment? Ça, tu l'as fait en 2020. Tu l'as fait en 2019, 2020, 2021. La maison à quel niveau? C'est de ça qu'il est question. C'est là que tu dois me prouver que tu es vraiment une star. Que tu es vraiment milliardaire en fait. La maison à quel niveau? Mais ça doit être censé finir. Si ça t'appartient vraiment, c'est à quel niveau? Hein? Et tu as ce genre de maison là et tu arrives à Abidjan. Tu vis dans une maison, tu payes chaque fin du mois. À quelle heure? Tu peux construire une maison et puis laisser la maison pour aller vivre dans une autre maison, tu payes. C'est-à-dire que louer une maison chez quelqu'un d'autre. Non, mais à quelle heure tu peux penser à faire ce genre de choses, en fait, sur les réseaux sociaux? Et puis, penser que tu es très intelligent, pourquoi tu es bête? Ton cerveau à terre, il faut juste ramasser même dans ta tête. On doit ramasser ton cerveau. Ton cerveau traîne à terre, wesh. Ton cerveau est versé, ils ont versé ton cerveau, en fait. Tu sais ça? Ton cerveau, là, ils ont versé ça. À quelle heure tu peux faire ça, en fait? En fait, en 2022, au 21e siècle, quelqu'un peut se lever pour penser à vivre ce genre de vie dans sa tête. Et dormir, se réveiller, ça, se mettre dans un habit vert pour dire que je suis star, je suis boutique, je suis ceci, je peux donner papier à un chien. Pendant qu'elle a 2 clandestins dans sa maison qui n'ont pas les papiers, mais wesh. Réveille-toi. Sérieux. Tu es pathétique en fait. Tu me fais tellement la peine. Regarde la dernière fois, elle me regarde, elle me dit non, elle va payer sa nouvelle voiture, que la voiture sera sur le nom de la société. Quand elle a vu la voiture de Yaka, que sa nouvelle voiture sort lundi. Que la voiture sur le nom de la société et tout, que son entreprise qu'elle a dans sa tête là, qui est radiée là, que la voiture sur le nom de la société et tout, que la voiture soit lundi, elle avait même fait un direct où elle a dit ça dedans. Elle avait fait un direct où elle a dit ça dedans. Elle avait fait un direct même où elle a dit ça dedans. On est en quel mois? Je vous parle de depuis janvier. Nous sommes en septembre, précisément le 21 septembre. Elle est toujours dans sa petite voiture de lépreux. Sa petite voiture comme les anciennes télé, l'écran noir des avant qu'on avait, quand on regardait là. Les petites télé, grosse tête derrière là. Les télé, les antennes, petite télé, écran 14, SD 14, écran 10, blanc, noir où on tournait pour regarder là.
C'est quand sa voiture est petite, comme sa petite boîte d'allumettes là. Elle est toujours dedans. Voiture a été rappelée à l'entreprise, c'était en janvier. Quand elle disait ça, on est en ce moment en septembre. Nous sommes le 3 septembre. Je n'ai pas encore vu voiture. Facebook n'a pas encore vu. Arrête de rêver. C'est-à-dire, elle s'est levée, elle a allé faire couper son ventre pour jeter en Tunisie. Et elle était dans la salle en Tunisie. Elle était dans la salle en Tunisie parce qu'elle n'était pas logée à l'hôtel. Elle était logée chez le médecin, en fait. Voilà, dans le coin du médecin. Et elle lance un direct. Et puis, elle dit que son homme est là. Oui, mon mari est là. Oui, parlez vite ainsi. Il vient couper. Entends, il n'y a personne. Elle est juste avec le lézard et la valpierre. Voyez, c'est ce genre de choses qu'on suit sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est toi qui veux venir t'asseoir pour faire la morale de leçon à qui, en fait. Non, sérieux. Moi, je vis ma petite vie. Hein. Je vis ma petite vie qui est réelle pour moi, en fait. Oui, je vis ma petite vie où j'habite. Oui, j'habite dans un quartier, si tu veux, si c'est toi qui le vois. Sinon, moi, je me sens bien là où j'habite. J'habite dans une maison où je paye chaque fin du mois. C'est réel. J'habite là aussi. Je me lève aujourd'hui, je m'habille, c'est réel. Je ne plains pas, je ne me lève pas pour inventer, en fait. Tu vois? Donc, tu dois te faire soigner. Quelqu'un qui se lève, oui, mon enfant est touché, mes enfants sont ceci. Et puis aujourd'hui, elle se lève et elle vient dire que le tchèp là, ça nous a donné de l'intelligence. Le tchèp a fait qu'on a eu papier, donc on va chercher tes papiers. Donc, le tchèp n'a plus détruit la vie de tes enfants, en fait. Le tchèp là, ça n'a plus rendu tes enfants malades. Il n'y a plus un médecin qui doit venir soigner tes enfants. Tu ne connais pas, je suis Aya Robert. Tu es vieille, mais tu es bête. Je t'ai dit que c'est ceux qui ne te connaissent pas qui vont t'écouter. Moi, je t'ai fréquenté. Tu es tellement pitoyable. C'est que tu es pitoyable. C'est-à-dire, tu dis quelque chose tout de suite. Les deux minutes qui suivent, c'est le mensonge qui est derrière. Ah, on est parti sur le bateau. Un moment sur le bateau, on se parlait avant au téléphone. Elles nous ont dit, à moi et puis à d'autres personnes, que la Valpierre est enceinte. Je vous jure devant Dieu, que la Valpierre est enceinte. Qu'elle a croisé un blanc, elle est enceinte et tout. On dit ok. Et le jour où on arrive sur le bateau, la Valpierre se lève pendant qu'on a fini de danser et tout et tout. Voici ses règles. Je t'ai obligé, c'est moi qui lui ai donné mon foulard pour qu'elle puisse s'attacher. Elles ne m'ont plus parlé de grossesse jusqu'à aujourd'hui. Des menteuses. Le gars qui la Valpierre ville, c'est dans l'ancienne maison où elle vivait avant là. Le gars qui louait la maison à la Valpierre là, c'est avec ce gars là que la Valpierre allait faire passe. Oui, payer. Ils sont dans business. Elle est plus la Valpierre. Mais le gars là même, c'est un blanc mamailleur. Oui. Tu ne peux rien créer, tu ne peux rien dire. Le gars, la façon il parle, même quand il parle dans direct, un beau blanc parle pas comme ça. Tu sens même que c'est un blanc, maman. Quand ils appellent le blanc, il est venu parler à côté, là même. Là. Quand le blanc parle, tu sais que c'est un clochard même. Un blanc vanipié même qui existe même sur la terre, même qui est là comme ça. Sinon, un blanc qui se respecte, qui a son argent. Lui, il fait quoi toujours à la maison. Chaque fois, la dernière fois, là, c'était 8 en semaine, lui, il ne travaille pas. Il était dans la maison. Et puis des menteurs, elles sont assises à un coin. Ils ont sonné à la porte. Elle revient. C'est la nounou qui a sonné, la servante. Vous êtes malade de mentir aux gens chaque jour. Ça ne va pas dans votre tête. Vous êtes bête, ralenti, oui, à l'envers. Avant d'être des pitoyables comme ça, votre vie fait tellement pitié. Ta mère est là. Même devant ta mère, tu es une menteuse. Tu, devant nous comme ça, tu regardes à moi pour dire que tu as ouvert compte pour elle. Tu dis ta mère est commerçante. Donc elle est commerçante, n'a pas compte. Quand on a ouvert un compte, on met l'argent dessus. Hein. On en met l'argent dessus. On ne veut pas te donner le numéro de la carte pour ne pas que tu dépenses l'argent, en fait. La dame, elle est étonnée. En fait, elle est étonnée de savoir qu'elle a un compte où elle n'est pas informée, en fait. Elle est étonnée de savoir qu'elle a un compte. Les jumelles, chaque jour, les maisons des jumelles, les jumelles même sont étonnées de savoir que ils n'ont pas de maison en Côte d'Ivoire, mais leur maman ment sur Internet qu'ils ont maison. Ici, en France, ici, on n'a pas dit qu'elle a payé maison pour ses jumelles, qu'elle a payé deux maisons pour ses jumelles. Elle ne parle plus de ça. Père, c'est une menteuse. Elle n'a pas dit qu'elle a payé deux maisons pour ses jumelles en France ici. Quelqu'un qui fait rien à la CAF. Quelqu'un qui va laver ses habits à la laverie. En France, ici, on peut se le payer maison. Même son frère menteur, il manque que lui, il paye maison. En tant que maison, il doit dedans ses mains de sa sécurité.
On a tous les peurs, vous regardez, mais vous mentez. La dame qui travaille avec, c'est sa maison. Ils n'ont pas de maison. Ils peuvent rien créer. Des menteuses, des menteuses, des menteuses, des menteuses. J'ai marché avec deux menteuses qui ont passé leur temps à mentir. Imbécile. Tu parles à qui à moi? Tu penses que tes conneries que tu racontes à moi peuvent me branler? Qui ne te connaît pas? C'est le pauvre d'esprit là qui t'écoute. Il y a des moyens partis, c'est pas l'autre là. C'est l'autre là qui vient t'asseoir pour insulter son enfant. La traîner, peut t'a regardé parce que d'après elle fait plus clair. Tu t'amuses, tu t'arrives sur moi là. Il y a dansé dans ton nien qui sent. Ma chérie, ton nien sent. Ton nien, garçon, a pris la lobby depuis que ça sent. Tu comprends? Garçon a senti tes voix si tu pleurais derrière lui. Moi, il n'a jamais vécu ça ici. Papa de tes enfants t'a laissé avec la gendarmerie pour éviter que l'odeur de ton con, ça l'envahit. Tu étais sa servante, sa bonne. C'est pour ça que tu prends tout le monde par la part pour bonne. Parce que tous les hommes que tu as eu dans ta vie, là, ils se sont servis de toi. Et tu es bête. Tu fais enfant à chaque carré fou. Tu penses enfant là, ça retient, garçon. Ton con non serré, là. Hein? Ton con aux enchères, ton con qui est ouvert, on dirait, Adokaflé, là. On peut être messe, vente devant toi comme ça. Hein? Faut aller te déparasiter, hein? Il y a des mots de chienne comme ça, vous pouvez écrire quoi? Il y a des mots ici à vous. Imbécile, un bec à poil, sale pute, menteuse. Il n'y a plus plainte. Et maintenant, tu peux venir t'asseoir pour parler. Chienne. Connasse, idiote, va. Une dévergondée, comme une ratée. Une ratée de la nature, une rejetée du monde. Une rejetée du monde comme toi. Une deuxième, une rescapée de la vie. Une dépravée sexuellement. Tu parles à qui à moi? Moi, j'essaie, je connais mon plaisir. Hein? Il y a des mois, on me fait la moto, on te baise. Comme une sauvage. Comme un cheval. Moi, on me fait l'amour comme une déesse. Bécile, tu connais l'amour, tu as déjà vécu l'amour. Idiote, gawaze, guéou que tu sois. Une go, ça m'a la clo comme toi. Une go lance pièce au terre renversée, saleté. Tu échoues dans tout, même dans chirurgie, tu as échoué. Il y a dit le reste de ton ventre, il n'a qu'à te redonner. Ben si c'est pour aller faire, comme on appelle ça même, opération, puis avoir ventre debout de biberon, c'est mieux, hein. Si c'est pour aller faire opération, puis tu vas avoir tête de biberon devant toi que tu appelles ventre plat. Et puis vous allez saouler les gaines pour déposer sur vos dos, vous promener dalle de maca sur vos épaules. L'autre va charger colis, toi tu vas charger épaules et dalle de maca. Portail de maca, puis tu vas penser que tu as mince, puis tu as ventre devant toi, tu as vilaine forme. On a ciseaux cassés. Tu parles à qui à moi? Tu as un gaillard en bas de toi qui est décédé. On doit faire sur ses funérailles. Un s'entend que les hommes même refoulent. Hein? On déposait bac funéraire de ton nien au deux qui est dedans là. On sort le t-shirt bientôt. Il y a un robe que tu as porté aujourd'hui. Tu t'es arrêté dans le robe là. On dirait que tu as chié sur toi. Hein? On dirait lance-pierre dans le préservatif. On dirait qu'ils ont pris lance-pierre puis ils ont fourré dans le préservatif. Quand tu t'es arrêté? On peut s'arrêter comme ça. On peut s'habiller puis s'arrêter comme ça. Hein? Bécile, tu parles à moi? À moi, Aya? Tu peux tout ce que tu vas taper, me dis quoi? Avec le maman, lui, ma mère est morte, c'est un crime. Aïe? Elle est morte. La mort, c'est pour tout le monde. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Ton père voleur qui a où mettre testicule, qui est sur toi, c'est héréditaire de votre famille. Ton frère, là, il a nuque, il a testicule sur sa. Il a pas sa nuque. C'est pas nuque, c'est testicule qui est formé derrière sa tête, là. C'est pas nuque. Ne confondez pas nuque et testicule. On est là pas accident, deux bus et deux comme avec train. On est en train de contrôler sa tête. Ton papa Gaïa testicule ici, tu as testicule ici. Hein? Ta soeur, voilà, vente qui est devant elle. Non, sérieux, vous parlez qui à moi? On est en chargeur climatiseur, si c'est
ses épaules. On dirait qu'ils ont fourré le climatiseur dans ses épaules. On dirait la peut-être camisole, non? Et puis ils ont mis le climatiseur. C'est vrai que épaule comme ça, c'est vrai que dos comme ça, et puis elle met gaine dessus. On dirait sac à dos de Dora, vous parlez avec moi. À moi, hein? Nous, on vit la réalité, vous vous rêvez. Les milliardaires dans la tête. Va ramasser ton cerveau à terre. Va endoucir ton cerveau à rester là-bas. Va voir l'instituteur là, il va donner ton cerveau. Il a pris ton cerveau, ton cerveau dans sa main. Hey, bonjour, je suis riche. Bonsoir, j'ai construit. Bonsoir, j'achète voiture. Bonjour, je suis mariée. Comment tu vas? Je suis mariée. Bonjour, j'ai construit. Bonsoir, je suis maman dans 6 avions. On peut monter dans deux avions et puis être pauvre mentalement comme ça. Ça se voit que tu n'étais jamais monté dans l'avion. Hein? Tu n'as jamais bougé de Ndoussi à quelque part. Tu étais dans Abidjan, mais si tu connaissais Bassam. Idiote. Tu étais à Bobo. Est-ce que tu as déjà quitté à Bobo pour la Djamé? Est-ce que tu connaissais à Djamé même? Tu as déjà bougé dans Bobo pour la Djamé? Connasse, une vendeuse de charbon, tu parles à moi? Hein? Une vendeuse de charbon, tu me parles? Non, sérieux. Une femme que son mari a laissée avec la police parce qu'elle est dépravée, elle est vilaine, laide. Tu as le visage comme si tu avais embrassé un gorille sauvage. Non, sérieux, tu te mets en couple avec un gorille, c'était mieux. Hein? Quand tu allais te mettre en couple avec qui, le plus frère de la toile, ça va pas dans ta tête. Idiote. Et quand il y a ton nyéré qui sent là, ton nyéré qui pue à distance là, imbécile, évite de mettre les comme mais il y a des dents blanches. C'est fit que tu mets là qui rend tes dents comme ça. Y'a rien. Moi, mes dents sont pas jaunes. Imbécile, chienne. Connasse. Ta brèche écartée comme le bout de ton clitoris qui est en bas de toi. Hein, qui refuse de te former là. Puis imbécile comme ça. On m'a dit d'aller, voici, bande. Imbécile. Une idiote comme toi qu'on prend pour dire, va voir si quelqu'un bande. Et puis tu nous suis. Une saleté comme toi, une saligo. Une manque d'âme. Vous savez que quelqu'un qui n'a pas connu l'amour, qui ne connaîtra jamais l'amour. Quand tu lui dis bon, un homme lui dit bonjour en même temps son coin ouvert. Bonsoir, son coin ouvert. Tu es comme les fleurs qui sont au village. Aya, ouvre ton coin là. Quand tu tapes, tu dis Aya, ferme ton coin, ton mari arrive là. Ton coin ouvert comme ça. Donc on va dire les gens, ferme ton coin hein, comme ça. Ton coin est large comme ça. C'est quand on dit bonjour, ton nien est là, un peu odeur qui est dedans. Imbécile, tout ce que tu apprends sur internet, c'est de taper tes jambes. Saleté quand je suis une mère. Tu sais ce qu'on appelle être une mère? Une dévergondée comme toi, tu comprends ça? Être dévergondée et puis chier des enfants comme une chienne. Et puis être mère, c'est pas pareil. Tu comprends? Toi, tu es une pondeuse. Tu n'es pas mère. Et puis il y a la mère. Hein? La mère et puis pondeuse avec deux. Toi, tu sais que faut pas te comparer aux femmes. Quand on parle de femmes, là, tu as femme de ciseaux. Faut pas te mettre dedans. Idiote! Non mais sérieux quoi? Elle va se donner un genre et puis sa dos d'âme là. Ta saleté qui te suit de soeur aussi, la vilaine qui a foi mon lien Kabakoulou là. Hein? Qui a dents grillées, cassées dans sa bouche comme le riz cassé cette fois là. Hein? Non mais sérieux? Imbécile, tu as ton frère qui est fou à Abidjan, tu n'as pas l'incarné. Tu vas parler de mon père, c'est un français là dans son pays. Tu es étonné pourquoi? C'est que toi tu cherches à voir là, mon père il a ça. Hein? Il est français. Il fait pas d'effort. Il est dans son pays, il a quoi à foutre là? Il a un compte à te rendre toi. Une imbécile, toi tu squattes dans son pays. Hein? Lui, il te baisse. Ça veut dire que l'état de son pays te baisse dans son pays grâce à lui. Grâce à eux là. Toi tu arrives à toucher la CAF, idiot. Tu parles à qui? Il est dans son pays. C'est un français, c'est un français, il a la carte d'identité française. Imbécile. Chien, tu penses que moi je suis à la poursuite de vivre dans le rêve comme toi? Imbécile. Sale conne. Tu me connais pas, hein? Moi je suis pas l'autre là, c'est elle. Tu as ta soeur, tu as parlé de son va te regarder. C'est amusé, moi. Il y a Joe dans ton nien et puis il est sorti placentant qui est là-bas là. Tu me connais pas encore. Une connasse comme ça. Une go qui sent quoi? Ses aisselles sentent comme ça. Elle a une forte odeur de souris sur elle. Vous voyez les souris mortes là? Hein? Quand souris meurt dans ta maison, en bas de ton lit, et puis ça sent, ça odeur, odeur de souris ciel. Elle ne connaît pas parfum. On dit qu'il faut aller payer tel parfum, tel parfum, son trafiqué. Go, manatan. Une go
gueux comme ça, une gawasse comme ça, une go que la Facebook a supprimé. Hein? C'est sur Facebook qu'elle a devenu star. C'est sur Facebook qu'elle a devenu milliardaire. Dans son crâne, dans sa petite tête de poisson là. C'est toi qui as tête de poisson. Et puis ces poissons magnifiques. Viens sa petite, c'est sa grosse tête de poisson dorade là. C'est toi, tu as tête de poisson dorade. Imbécile, sale chienne, connasse, pute. Pute même est mieux que toi. Parce que la pute, elle, c'est bonne. Va te vertir avant de parler aux gens. Quand il sort, quand tu sors là, moi, il m'a honte. C'est pour ça qu'il n'aime pas me retrouver dans les mêmes coins, vous. Si vous avez remarqué, quand ils sont dans les coins, il n'y avait pas. Parce que après, tu vas mettre pantalon jusqu'en en bas de tes seins. Ça me dépasse souvent dans tes styles. Hein? Après, où souvent tu t'habilles et puis pantalon là, tu mets jusqu'en bas de tes seins et puis tu viens te saper. Tu es flottant dans le pantalon comme ça. Il n'y a pas fond, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Tu penses que moi, je vais me balader avec quelqu'un comme toi? Moi, je suis stylé, c'est de 0 à 5 ans. Il me promet à quelqu'un qui ne sait pas s'habiller. Non, sérieux. Sérieux. Et puis quand il a demandé parce qu'elles sont trop sapées. Non mais sérieux. La dernière fois, la Valpierre m'a porté un jean. On est à chier dans le jean. Un jean préservatif coupé. Et puis il faut regarder leur visage, leur façon même d'être. On dirait des fœtus de mangousse. Les petits enfants de mangousse qui viennent de naître là. Ou bien qui sont dans le ventre de leur maman, qui sont déjà à se former là. C'est leur modèle. Des batates comme ça. Chienne. Va porter plainte. Tu vas plus plainte. Tu vas plus plainte. Imbécile que le procès, gnoc, gnoc. Déplace même le juge, même chez moi, non. Tu vois, lis-le. Connasse. Et c'est pas ta coute. L'autre que tu viens de passer pour insulter, ben, te laisse là. Où jouer, moi? Quand il me ponge, je suis l'animatrice, non? Il me ponge un peu le visage. Pas trop les transpirations. Je suis l'animatrice, ma chérie. Il faut me laisser mes trucs, hein? Quand tu regardes les animatrices, je ponge le visage. Une go qui a testicule dans ses aisselles. Tu n'as pas... C'est ça là que tu devais opérer pour jeter, hein? Petit pine d'enfant de 5 ans comme ça, c'est là, ça a accroché le bas là, petit pine quoi. Hein? Ça a accroché là. Puis son pas balle de testicules, il casse balle de testicules à Oumé. Mais il n'y a pas de client. Tu vas pas aller chez ton oncle que tu as là, tu vas pas aller opérer le testicule de ton papa là. Imbécile. Ta maman, son visage est mis, on dirait singe lobby. Chien lobby. Ta maman ressemble à chien lobby, de, franchement. Ta maman ressemble trop à chien lobby. Elle a mis petit peu. C'est qu'elle a mis, tu vois, les quatre boules là. Diane a quatre boules là. Petite Diane a quatre boules comme ça. Et puis elle a chili pelle là. Et puis j'ai la fait genre en rajout. Elle a mauvaise dette. Puis elle a 6 minutes, son visage est mis. On dirait ils ont écrasé Nyamaku. Ils ont écrasé citron. Ils ont mis un peu de nyanya dedans pour dire qu'elle a qu'à boire une vaquine. Et son visage est mis. Hein. On dirait quelqu'un qui est effrayé. Puis une effrayante de mer. Puis elle a 6. Sa bouche est no cou. Sa bouche est no cou. On dirait bout de clitoris. Hein? On est une chiteuse de tabac. Et puis quand on parlait, elle a dit oui seulement. Petite boule de Diana sur sa tête. 4 boules, elle a mis un paquet et demi. Puis elle a assise maintenant. On dit que ton, il y a l'argent sur ton compte. Elle dit, ah bon, tout ça là. Elle ne connaît pas. Bécile. Elle a votre forme, on dirait, des paires de ciseaux cassés là. Les gens parlent, vous parlez. Bécile, va dire à ta soeur de faire un enfant. Et puis tes clandestins, là, dans les papiers. Fais venir ta mère, va venir visiter aussi ici. Mon père est là. C'est de ça qu'il s'agit. Ta maman, là, faut la faire venir un peu en Europe. Tu es capable, non? Fais-la venir. Tellement tu as la haine pour elle. Tellement elle t'a mis dans la misère. Hein? Tu n'es même pas fier d'elle.
tu l'emmènes juste quand tu vas chercher l'argent. Et puis elle est assise. Hein? Quand elle dit maman, elle est là. Ses yeux sont les coups comme ça. Il y a quelqu'un qui est effrayé. Hein? Et bien là, maman, tu te rappelles que quand on était petit, elle dit oui. Maman, oui, tout ce qu'on lui dit, oui. Elle a récité la leçon. Quand on vient s'asseoir, si on dit ça, dit oui. Dis oui, répète, oui. Donc tout ce que tu lui demandes, oui. Quand il s'agit de non, elle dit non. Ah bon? Quand il s'agit d'abon, on est en récitation. Imbécile. Ça va venir en Europe un peu. La milliardaire. Chienne. À un moment, la grilleuse de Claclo. Elle même la forme de Claclo même. De toute façon, tu parles de Kimou, ma mère. Ma mère Simone, elle était très belle. Grande. Elle faisait 1m91, ma maman. Belle femme, jolie teint noir. Oui. Jolie teint noir. Très belle, ma mère. Et puis elle a mis des enfants charismatiques au monde. Oui. Des chicans. D'où je fais partie. Tu as capté un peu, tu vois pas un peu le truc. Mais maintenant même, regarde. Non, sérieux. On met l'enfant de ta mère et puis on met moi l'enfant de ma maman, sérieux. Celle qui est décédée, là, il y a son enfant. Celle qui est en vie, là, il y a ses enfants. Non, sérieux. Elle est décédée, voilà son enfant qui est assise là. Simone est décédée, voilà son enfant. Et puis, la maman est effrayée, en vie, il y a ses enfants. Il y a ses enfants sur les réseaux sociaux, en train de parler des pines qu'on est désespérés. On refoule les nains. Bande d'idiotes. Et à l'enfant de la décédée. Et puis toi, regarde-toi l'enfant de la mère vivante. Et puis regarde même la mère qui est vivante. Elle est décédée même. Son âme n'est plus dans son corps. Ta maman, là, son âme a accroché un arbre quelque part. C'est son corps flocon qui se promène. Chienne. Mais bébé, viens là-bas, viens à moi là. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Yo, yo, yo. Il y a l'humain dans le tas. Pas bien. Moi, si je vais bauler. Hé, tu t'amuses, tu as resté. Conorico, il m'appelle Nyenekouzoué. Nyenekouzoué, c'est de quel pays? Tu es de quel village? Hein? Tu es de quel village? Imbécile. Moi, je viens de Tiembleko. Ma mère vient de Tiembleko. Oui. Ma mère vient de Tiembleko. Ta mère vient d'où? Son village, c'est où? Ton père, son village, c'est où? Le village de Tchapalo. Ta belle vendra. C'est-à-dire que c'est votre bouche, on dirait casserole de Tchapalo, là. Hein? On dirait que c'est de votre gueule, on cuit. Comment on appelle ça les médicaments d'Aquadio des palus, là? Hein? Ta soeur, là, sa bouche, on dirait fourneau, les gros fourneaux. Et comment on appelle ça même? Des femmes sénégalaises là. Bouche de ta soeur, on est founou. Tu vois, de toute façon, founou est percé, personne dedans. Tu vois, ta grande soeur qui te suit bête là. Elle a gaillé bouche de founou. Hein? De toute façon, founou est percé. Puis il faut siffler en bas pour que le feu s'allume. Mais c'est quoi sa bouche est? Imbécile, quand je me suis mariée, scellée. Des mythos, des menteuses, des parvenues que vous êtes. Des gens que la vie a surpris, que la vie a effrayé, que Facebook a rendu quelqu'un. Imbécile, nous on est quelqu'un avant Facebook. Hein? Idiote. Bande de réfrigérateurs que vous êtes. Hein? Des milliardaires imaginaires. Imbécile. Hé bébé, on est dedans. Connasse. Tu as demandé à ton frère pour le pirigeois, numéro 24. Hein? Un pasteur qui se fait puriger. Bécile. Je coupe le direct. Je reviens dans une heure. Pour les appels. Ouais, elle fait ça pour nous distraire, n'est pas que tu vas vous appeler. Vous allez appeler. Pion. Voilà. Qui t'a pirigé au Kabakwe? Qui l'a pirigé au Kabakwe? Il fut pirigé au Kabakwe. On l'a pirigé au Kabakwe.
Pasteur qui t'a pirigé au Kabakwe, ils l'ont pirigé au Kabakwe. Qui l'a pirigé au Kabakwe, il fut pirigé au Kabakwe. Ah! On a combien de partages? Vous n'avez pas partagé, on dit 1900, pourquoi? Où sont mes 2000 partages? Hein? Non, sérieux, Founo, même Paris, Founo. Elle a bouche de Founo, la Gaïa Founo des femmes sénégalaises qui sont à venir 16 ou 12, là, leur Founo, là, c'est sa bouche. Des imbéciles, des parvenus, des bêtes filles, des bêtes choses comme ça. Voilà, j'ai eu 857, qu'est-ce que je raconte? Non, 8575 étoiles, hein? Tu es de l'eau. 8575 étoiles, merci beaucoup. Attends, je dis merci à mes étoilés. Merci à Aline pour les étoiles. Merci à Salima Takoulibaly pour les étoiles. Merci à Aline, merci à Salim. On doit dire à Saline et puis Salima t'a qu'on fait fort. Hein. Merci à Manou Kader pour les 3000 étoiles. Merci à Aline. Non, Aline et puis Salima t'a, ils ont fait fort aujourd'hui. Merci à Roland. Roland toujours. Toujours, toujours Roland. Merci à Fatum. C'est Fatum, je vois. Mais bon, Saïd. Merci à Saïd. Merci à Saïd encore. Merci à Saïd. Merci Roland. Merci Marie, Daniel, Koulibaly. Merci du coup pour les 8975 étoiles. Voilà. En bas, je vais vous laisser. Et puis je reviendrai. Oh, tu là. Vous n'allez pas vous ennuyer. Facebook est trop mouk. Ah, il y a pas que vous ennuyez comme ça si Facebook mettait Yahweh. Il y a quoi puis le méta, il y a quoi puis le méta est mouk. Quand il s'est sorti, il y a mis bouillacaille. Elles sont sorties, bon, il y a des éperviers. Imbécile. Saleté. Pour venir raconter les vies et les morts. Attends, j'oublie que moi, je ne joue pas. Ah, le t-shirt est sorti, hein? Le t-shirt est sorti. Le t-shirt de Rup. Non, mais je veux que... Je veux que tu fasses... Non, le t-shirt, là, il faut faire son noir. Et il faut couper sa tête... Non, enlève les parties là. Hein? Le t-shirt, il faut qu'on mette Rup. Ah, vous voyez, vapeur de son yen, tu vas mettre dessus. Voilà. Le t-shirt sera bientôt disponible. Imbécile. Un bec à poil, sale chienne. Tu me connais? Moi, je ne suis pas les gens avec qui tu viens t'asseoir, tu blasphèmes, tu te regardes bien. Ça, c'est les autres là, moi. Il a te fait ça propre sans vaseline. Connasse. Idiote. Bisous à tout à l'heure, mes bébés. Je reviens. Je suis là. Vous n'allez pas vous ennuyer. Au-delà, bon week-end dans votre vie. Voilà.